Hello tout le monde, voici une toute nouvelle vidéo du Challenge Me. Ce sera la vidéo numéro 4. Cette fois-ci, c'est le challenge que m'a donné Brigitte. Brigitte m'a donné comme consigne de réaliser une création sur du bois peint et usé en chabis. Alors, je n'ai pas tout à fait respecté les règles qu'elle m'avait données, puisque c'est bien du bois, puisque c'est une palette en bois, une palette à peinture en bois. Peint, j'ai respecté aussi la règle. Chabi, je pense quand même y être arrivé. Mais usé, par contre, là, c'est ce qui m'a fait défaut. Je ne savais pas du tout comment aborder le thème usé. Alors au départ, j'avais pensé à faire de la patine sur toute la surface, donc de ma palette altérée. Mais le souci, c'est que ça ne m'avait pas du tout inspiré à ce moment-là. Moi, ce qui m'avait inspiré, c'était des pochoirs, de la pâte de structure, des peintures métallisées, des sprays, voilà. Pour le chabis, c'est ce qui m'était venu tout de suite à l'idée. Effectivement, j'aurais pu faire une jolie patine rose. Ça aurait donné un aspect usé et ça aurait été très très joli. Mais voilà, c'est vraiment le point qui m'a manqué et qui ne m'a pas inspiré. Donc, j'ai fait ma palette selon mes inspirations. J'espère, Brigitte, que tu ne m'en voudras pas. Et j'espère, malgré tout, avoir quand même réussi ce défi. Donc, tu me diras, hein, Brigitte, hein, si ça te plaît ou pas, si j'ai réussi, ou si tu aurais vraiment souhaité que j'intègre le terme usé dans ma création. Eh bien, maintenant, je vais vous laisser avec la vidéo, comme d'habitude. Vidéo avec des passages en accéléré. Et je reviens régulièrement tout au long de la vidéo pour vous expliquer ce qui se passe. À très bientôt et bon visionnage. Bye bye. Je vais donc débuter mon projet avec une palette que j'ai achetée sur Amazon. Je vais mettre avec ce pochoir. Ne me demandez pas la marque, je suis désolée, mais c'est un pochoir que j'avais eu chez AliExpress, donc je ne peux pas vous dire exactement quel était le vendeur. Et donc je vais prendre de la modeling paste, de la blanche. Alors celle-ci, c'est de la marque F Déco. Je vais rajouter aussi un petit peu de texture. Alors pour ça, j'ai pris donc la pâte de texture au sable blanc de chez F Déco. Je vais venir coller deux morceaux de dentelle. Donc, pour ça, j'utilise la Soft Gloss Gel de chez Finaber. J'ai prévu d'utiliser ces deux moulages que j'ai réalisés avec mes moules de chez Prima. Et comme je n'avais plus de pâte, j'ai décidé de les faire en plâtre. Et comme vous le savez, le plâtre, c'est poreux. Donc si je les laisse tels quels sans les protéger,
Tous les autres médiums risquent d'être imbibés à l'intérieur. Et le souci, c'est que le plâtre, une fois que c'est mouillé, ça casse et ça se ramollit. Donc, je vais passer un petit peu de gesso clear dessus. Maintenant, je vais pouvoir commencer à coller mes divers éléments. Hors caméra, j'ai collé des petits papillons. Donc là, ce n'est pas encore sec. Voilà, des petits papillons, un ici, un là, et puis un ici. Alors maintenant, je vais laisser sécher quelques heures parce que la 3D Matte Gel met du temps à sécher et donc il faut la laisser sécher toute seule. J'ai essayé de faire prendre un petit peu au heat gun pour éviter que ça se déplace trop, mais maintenant, je vais laisser tout ça sécher et puis je reviens vers vous dans quelques heures. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai passé toute ma palette avec du noir. Je vous ai épargné ce moment-là parce que vous connaissez maintenant, vous m'avez vu faire plusieurs fois. Donc j'ai passé du gesso sur toute la surface. J'ai eu quelques petits soucis, donc j'ai dû changer les pinceaux. Vous voyez, ce ne sont pas les mêmes. Et j'ai dû donc refaire toutes mes fleurs et mes papillons. J'ai eu un petit problème avec la colle en fait qui n'a pas pris comme il le fallait. Donc j'ai tout refait avec mon pistolet à colle et là cette fois-ci c'est parfait, donc ça tient parfaitement. Alors pour la suite de la vidéo, ce que je vais faire c'est que je vais passer un petit peu donc de gesso blanc. Voilà, donc celui-là tout simple à certains endroits et ensuite je viendrai m'amuser avec des sprays, donc les dilutions, des shimmer sprays de chez Ranger et puis je viendrai aussi travailler avec deux métalliques, deux caméléons métalliques de chez Fabrica Décorus, donc la Forest Violette et la Golden Mint, pardon. Alors pour cela, je vais vous donner peut-être le nom. Donc là, j'arrive pas très très bien à lire, mais ce serait Jade. Et puis ici, donc ce serait. Bon, je vous montre comme ça, vous le voyez parfaitement à l'écran. Voilà. Donc on continue pour la suite de la vidéo et la colorisation de toute la palette.